Allez, on est de retour dans ce crash cart. Et voilà, je l'ai foiré déjà le démarrage de ouf. J'ai foiré le démarrage de ouf, les gars. Allez, on y croit quand même. Pas trop vu que j'ai perdu de la vitesse. Robert, je te jure. Encore si ça se maniait bien et tout, mais c'est un camion Ben. Je vous jure les gars que c'est un putain de camion Ben. En plus je l'aide à accélérer lui. On va devoir se le refaire les gars. Wow putain, j'ai cru que j'allais tomber dans le trou. Hein. J'ai cru vraiment que j'allais tomber dans le trou. On est quatrième. Ouais, si tu veux on prend des pommes. Là il va y avoir une acceleration. Ah là 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 là. Putain. Bon ben voilà, on va finir troisième les gars. On va finir troisième. Putain. Merde, ouais, faut que je relâche. J'avais oublié, il fallait que je relâche. Non putain, on a gagné les gars. Truc de ouf. Je m'y attendais pas. À la reprise là, de ce niveau là, après une pause, je m'attendais vraiment pas à gagner, putain. Oh là là, on a gagné. Ouais, comme quoi, jamais abandonner, toujours croire en ses rêves. Putain, truc de ouf. Ok, moi c'est good ça. Ça c'est good. Donc en fond sonore, c'est les mini-justiciers. Allez, vas-y. Nickel. Donc il nous reste celui. Et là, je sens que c'est le Tiger. Ah non, c'est bon. J'ai cru que c'était le Tiger. Parce que le Tiger, c'est la meuf. Ah, attendez. Je savais que tu étais ingénieur, mais je ne t'aurais jamais cru capable d'aller aussi loin. Si tu continues... Je ferai s'abattre mille années de souffrance sur toi et sur tout l'univers. Ok, il est pas content. Rate un niveau bonus, ne coûte pas de vie, alors réessaie. Non, je m'en fous. Je m'en fous. Ok. Oula. Oula, il y a des monstres chelous maintenant. Je sais pas c'est qui eux. Écoute, on les passe. Bon, attends. La grenouillasse, elle est là. Hop, on la passe. Ah ouais, ok frère. Attendez. Ah, je peux pas passer comme ça. Bon. C'est trop lourd pour moi. Dégage alors. Oula. Oula, il y a un sous-sail là. Problème de yeux là. Je suis myope les gars. Il faut me redonner des lunettes. Yes. Putain, comment on gère maintenant? Je crois qu'on est devenu des demi-codes de Crash Bandicoot, c'est les gars. La chèvre, pas du tout dangereuse. On a combien de pommes là? Ouais, c'est bon, on va avoir une vie. Ouf. Voilà, la vie elle est là. Alors lui, le magicien il dégage. Ah
Putain, elles sont vraiment pas dangereuses les grenouilles. Hein. Je les aime bien en plus, elles sont bien faites. Puis j'ai un petit plaisir des grenouilles, mais... Ah, bien joué. Pourtant, j'ai appuyé sur le bouton. Là, tu m'as surpris. Là, j'avoue, tu m'as surpris parce que j'ai appuyé sur le putain de bouton pour te faire la tornade, mon frère. Comme ça. Mais comme ça, putain. Et j'ai cru qu'elle allait pas me la faire encore. Attendez, regarde. Faut bien regarder, hein. Deuxième fois que tu me baises, t'es un magicien de ouf. Et c'est pas un petit connard comme ça qui va me faire chier quand même. Truc de ouf, le magicien de merde. Ça, c'est lui. Voilà, fils de... Alors, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai toujours pas vu le... Il y a le checkpoint qui est là. Le diamant, là, le cristal magique. Comment on fait, là? Fais ça. Il est là-bas. Ok, nickel. Ah putain, il m'a transformé en grenouille. Ah, ça me transforme en grenouille, tiens, je savais pas ça. J'avais pas, les amis. Qu'on se transformait en grenouille. En fait, les monstres rituels à deux têtes, là, en fait, c'est les professeurs. Alors, attendez. Celui, il va se vénère de ouf. Voilà. On va arriver sur la fin. Ah ouais, alors là... Ouais, on s'en fout. Allez hop, c'est bon, on a réussi. Et on a fini le monde, bon, il n'en reste plus que le boss. Il ne reste plus que le big boss. De ce niveau, je parle là. Voilà. Nickel, le big boss. C'est lui, Docteur Entropy. Vas-y. Vous êtes de sales petites vermines trop belles pour savoir dans quel pétrin vous vous mettez. Cette fois, c'est celle de trop. Ok. Ses pouvoirs sont extraordinaires, mais ils ont un coût. Bon. Docteur Entropy. Te voilà dans ma zone temporelle, espèce de rat. Donne-moi les cristaux. Est-ce qu'on qu'il faut ce que... Attendez. Ok. Il a que 3 coups. Hein. Si on le nique à la première, c'est qu'on est vraiment un demi-god, les gars. Ok, je suppose que ça va être plus chaud là. Putain, on se concentre de ouf. Ok. Oh, on l'a niqué, demi-god de ouf, on l'a niqué. On l'a niqué du premier coup. Voilà, on l'a niqué du premier coup. Pour tourner plus longtemps et plus vite ou pour planer en l'air, appuie sur X à plusieurs reprises. Ah, on peut planer en l'air maintenant. Mais bon, on se casse. Ok.
Donc j'ai dit quoi? J'ai dit que si je le battu pour le coup, faut aller m'appeler Demigod. Eh ben, appelez-moi Demigod. Putain, les gars. Appelez-moi Demigod. On va aller voir le prochain monde. Enfin, le prochain monde. Tout est mélangé, de toute façon. Ah. Espèce de sale minable effronté. En battant N. Campi, vous nous avez tous mis en grand danger. Je vous rappelle que la chronotornade est une machine fragile. Sans le contrôle et l'entretien du docteur Campi, qui sait ce que vous faites? Ouais. Ok. Prochaine zone. L'Egypte, mais bon. Ah, c'est lui là. Ah, Sphinx, j'ai pas lu. Ah, voilà. C'est Sphinx. Sphinxinator. C'est Igor, l'esclave de Docteur, le méchant là. Les gars, oui maître. Il y a deux chemins. Alors attendez. Ah ouais, ok, d'accord, ça fait ça. Attends, par contre, je maîtrise pas du tout. Je maîtrise pas du tout. Ah ouais, donc c'est comme ça, on va le tenter. Voilà, c'est comme ça qu'il faut la faire. Les sarcophages. Ah oh, putain, et dedans il y a des moumailles. Ok frère. Et je pouvais pas le savoir. Hein. C'est une découverte, les sarcophages là. Donc. Nickel. Donc les putains de sarcophages avec les moumailles. Ouais. Point de charge. Wouah, il y a de la life de ouf ici. Bizarre qu'il me donne autant de vie, non? Ouais. Allez. Ah ouais, j'avais zappé lui. Le point de charge, des escaliers. Ok, donc là c'est good. Oula. Ah oui. Bon, je m'en fous. Là c'est simple. Hein. Voilà. C'est un peu long, mais c'est simple. Bon, lui. Ok, donc ça c'était sûr. Ouf. Ok. Ok. Bon, je m'en fous, vas-y. Point de charge, il est là. Là, il y a un piège. Non. Non, y a pas de... Wow. Fils de pute, va. C'est bon, on est venu pour ce dont on devait venir.
Non, mais sérieux les gars. Allez, on se casse, on s'en fout. Voilà, c'est bon. C'est bon. Pour l'instant, on est bien. On est bien, ça gère de ouf même. Oula. Alors là, c'est un nouveau mode, les gars. On est en avion. Pourquoi? On va prendre un avion d'après ce que... Bye bye, Blips. Inverse les contrôles du véhicule dans les menus d'options. Ouais, ok. Oh merde. À bas les dirigeables. Ah, ok. Et comment on fait? Roulade, mitraillette, A. Ok. Ok, d'accord, faut faire ça. Putain, je tire maintenant! Voilà. Allez, 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 crève! Ah bah, il y en a un autre. Je suis trop lent, quoi. Et moi, ils se mettent devant moi, en fait. Ah bah, il y en a un autre. C'est bon, j'ai vêtu tous les dirigeables. C'est fini? Ah, voilà, c'est bon. Est-ce que j'ai récupéré les le diamant? J'espère. Hein. Ah ouais là, j'espère que j'ai récupéré le putain de diamant. Cristal, quand je dis diamant, vous me comprenez les gars, cristal. Ah oui, c'est bon, j'ai flippé. J'ai flippé. Ah, là on joue la meuf, non? Oui, voilà, on joue la meuf, c'est un bateau pirate. Ah, là, oui, il nous parle enfin. Non, c'est Coco, mon frère. Ouais. Alors tel no tells. Bon, tu ne sais pas où aller, suis la flèche jaune en haut de l'écran. Bizarre ce qu'ils me disent. Mais c'est un passage d'eau, je pense. J'ai cru. Ouais, voilà, c'est bien ça. C'est bien ça et... Hop là, un petit flip. On va passer par là. Attention les gars, je passe. Wow, c'était show time. Hein. Nickel. Et attention, donc là ça poursuit. Je regarde au fond si je vois le... Si je vois le diamant, hein, parce que je le vois pas pour l'instant. Cristal, putain, faut que j'arrête avec le diamant et le cristal. C'est quoi ça? Ah ouais, ok. Tiens, je vais prendre ça. Le point de charge aussi. Voilà, donc faut aller par là. Attention à la bombe. C'est bon, on est passé. Là, on est bon. Là, on est bon. Il y a des requins maintenant. Ok. Donc je suis la flèche. Je vois qu'il y a un requin là-bas qui me fonce dessus, mais c'est bon. Le requin il est blanc, mais c'est Galak. C'est le chocolat Galak, les gars. On passe là, tiens, il y a un point de charge là, on va le prendre. Voilà. Je vois pas le cristal encore. Là, on va passer sur le côté tranquille. Là, on passe par là. Bon bah, bam. Bim.
et boum. Le bateau pirate il est en face. Galak il est là. Allez on passe. Merde, j'ai perdu mon truc. Ça c'est con. Il est là en fait, juste à là. C'est bon, je l'ai récupéré. Alors on va faire gaffe. Il y a un point de charge qui est là, ça tombe bien mon frère. On passe. Comment ça passe trop... Ça passe crème. Ça passe trop crème. Attention à lui. On passe. Oh là 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 là. C'est passé. Une life, on la prend. Et c'est bon, on a fini. Tranquille. On a 10 vies. Hey, truc de ouf. Je crois qu'on a jamais eu autant de vies dans tous les Crash Bandicoot qu'on a fait. 10 life, les gars. Putain, c'est congère de ouf ça. Y'a que ça comme explication, c'est congère de ouf. Ok, donc ça c'est fait. Crash revient. Donc ça c'est fait. Maintenant c'est celui-là. Future Freezy. Attends, on fait la coupure.